Allez, salut pote, j'espère que vous allez bien, c'est Maxouille. Et aujourd'hui, on va passer sur le barrette. Mon petit chouchou. Bah, peut-être pas sur ce jeu, hein, mais bon. Logiquement, il sera plus intéressant que le ZRG, hein, on va pas se cacher. Donc, hier, le ZRG, alors j'ai été revoir quand même pour être sûr. Donc, ils ont rendu la visée plus lente. Et le reste, bon, ils s'en foutent un peu. Hein, mais malheureusement, ils ont pas augmenté la cadence de tir. Et il aura bien besoin, hein, on va pas se le cacher. La lourdeur est là et. Et je sais pas pourquoi ils ont réduit la vitesse de visée justement. C'est pas normal, tu vois, je comprends pas. Le Tundra, alors je l'ai retesté hier et. Bah c'est vrai que tu vises un peu moins vite, mais ça va, quoi, ça va, ça reste encore très fort. Le Pennington, il a de meilleur. Voilà, il vise de nouveau plus vite aussi, mais il fait beaucoup plus de hitmarkers. Hein. Je dirais 3 hitmarkers contre 4. Ouais. Donc 3 chances sur 4 de faire des marqueurs, tout du genre, tu vois. Hein. Donc maintenant, il reste quand même. T'arrives à toucher, quoi. Donc c'est le principal, vu que tu vises quand même très vite. Donc c'est ça qui me fait un peu chier, quoi. Les ZRG, je sais pas. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire, mais en tout cas, ils ont foiré. Et le Barrett, ben, normalement, tu vises plus vite, un peu plus vite. Et tu as plus de chances de one shot dans le torse, mais t'as une plus petite cadence de tir. Donc là, ça a l'air déjà mieux. Donc on va voir, je l'ai retesté hier vite fait. Vu que j'ai pas trop joué hier, mais ça a l'air d'être mieux. Ça a l'air d'être mieux géré. Mais on va voir ça ensemble. Par contre, un truc qui m'a choqué, que je comprends pas de toute façon, hein, c'est pourquoi ils nous ont saboté. Voilà, pourquoi ils ont changé ça, tu vois. Le tressaillement là, c'est une chose quand même très importante parce que tu loupes ta balle. T'arriveras peut-être à recaler une deuxième, tu vois, si tu bouges pas trop, mais le tressaillement, bah, dès qu'on te tire dessus, bah, tu bouges de tous les côtés, donc c'est la merde. D'où c'est réduit sur le sniper, mais sur toutes les autres armes, sur les automatiques et tout ça, c'est pas réduit. Je comprends pas. Sur les DMR, c'est pas réduit. C'est réduit que sur le sniper. On va comprendre le délire, quoi. Je ne comprends pas cette connerie, quoi. Ce choix de merde qu'ils ont fait de nous niquer le tressaillement et de mettre justement la meilleure stat de visée sur l'avant-dernier équipement. C'était mieux comme c'était avant. Pourquoi ils ont saboté ça, franchement? Parce que tu loupes ta balle, bah. Voilà, il faut un minimum de tressaillement pour pouvoir caler ta deuxième avant de mourir. Et souvent, t'as pas le temps vu que tu te fais des pop en 2-3 secondes. Hein. Donc, s'il avait bien une arme qui mériterait de garder justement ce système de tressaillement, c'était bien le sniper et pas les automatiques. Les automatiques, bah justement, t'enlèves le tressaillement. Donc, le mec, celui qui contrôle mieux son arme, bah c'est celui qui va gagner le duel, tu vois. Ça me paraît logique, mais non. Pas pour les développeurs, eux, ils voient tout le contraire. Non, c'est des teubés, hein. Donc du coup, bah, en plus de ça va encore moins motiver les gens à rusher parce que tu fais des duels, tu te prends quelques balles, ton viseur il part dans l'espace et puis t'es baisé. Donc ça va encore moins motiver les gens à rusher, bah, déjà que l'on a très peu qui rushent avec le sniper. Hier, la game de hier, c'était un miracle de tomber sur des mecs qui rushent un peu. Mais généralement, c'est voilà, le pourcentage qui joue au sniper quand pas, voilà. T'es 90%, 99% de joueurs qui jouent automatique. Hein. Et qui te défonce pour toi qui essaye de rusher avec ton sniper, tu vois, comme un vrai quotidien, tu vois, un vrai joueur Call of Duty. Non, non, et bien sûr que non, si c'est Camperland, hein. Bien évidemment. Et là, bah, avec leur connerie, bah, ils améliorent pas les choses, quoi. Ils empirent, parce qu'en plus de ça, si tu regardes le tressaillement, après tu bouffes moins 22% de transition de tir en plus, donc ça veut dire que courir et récupérer la visée, bah, c'est beaucoup plus lent, donc bah, ça vaut pas le coup. 5% c'est de la merde, ça vaut pas le coup. Tu perds beaucoup de trop avec ces stats-là que par exemple les stats que tu as sur les automatiques. J'ai regardé, j'ai testé un petit peu les automatiques. C'est tellement beaucoup plus facile d'avoir un ratio positif avec les automatiques qui sont clairement pétées, hein, qui sont mal équilibrées. Voilà, donc là tu vois, tu conserves justement les stats de meilleure vitesse de visée. Tu peux en plus que moins 15%, donc c'est pas grand-chose. Hein, déjà que la transition de tir est plus rapide sur les automatiques que sur les snipers. Donc voilà, ça chouchoute les automatiques, mais ça recule encore plus les snipers, quoi. Voilà. C'est bien. Bravo. Bravo, les gars. Vous êtes des dieux. Hein. Franchement, allez vous faire foutre. Donc, du coup, on repart sur Standoff pour faire la comparaison. Hein. On va pas partir sur une autre. C'est pas juste qu'on va tomber sur une élimination confirmée ou TDM. Bien évidemment, pas de la domination, mais on va tomber sur de la domination. Je parie, allez, 1,5 €. Je suis quasi sûr qu'on va tomber sur de la dame. Ah non, pas stratégique. Ah. Ouais, du coup, bah, limite, attends, on va quand même relancer juste pour essayer de tomber, vu que je vais pas jouer l'objectif, pour pas trop pénaliser les joueurs qui vont jouer l'objectif. Hein. Je suis pas du genre à jouer justement domination et tout ça pour profiter du fait qu'ils sont focus sur
les objectifs pour les buter. Hein. Bon, si je veux faire du poids stratégique, c'est pour jouer l'objectif. Hein. Je ne supporte pas moi de voir les mecs jouer en poids stratégique et tout ça, juste pour... voilà, domination, tu sais où sont les spawns, donc c'est plus simple, tu vois, ça spawn pas n'importe où. Ouais, domination sûrement pas. Je préfère le poids stratégique du coup. Je trouve ça pété, tu vois, les mecs qui font ça, quoi. Ils jouent de la domination parce qu'ils savent que bah, les spawns sont prévisibles. Donc c'est plus facile de faire des séries, donc... mais bon... Si les mecs jouent poids, bah ça va, tu vois, mais bon... S'ils jouent pas, c'est dégueulasse, quoi, pour ceux qui essaient de jouer l'objectif. C'est de leur faire plaire encore une fois, et c'est du manque de respect vers les joueurs. Ouais, c'est mon avis, hein, comme d'habitude, hein, vous en faites ce que vous voulez. Alors... L'autre, il regarde une série, il regarde un film policier, là. C'était quoi, ça? Mayonnaise, pff. Oh putain, quoi. Bon, bah, pas le choix, tant pis. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Tire longue distance. Bon, c'est pas ici qu'on les fera, hein. Arme spéciale, donc ça, c'est l'arbalète. Et il me manque TDM. Bon, ça, je finirai, hein. J'essaye quand même de passer Prestige 13 avant la fin du pass de combat, qui est dans 25 jours. Je passerai pas le dernier, par contre, hein. Laisse tomber. La flemme. De toute façon, les prestiges, j'en fous. Bah non. Bah le dernier, ouais, je m'en fous. On gagne rien. Mais c'est vrai que les prestiges, ça vaut quand même le coup vu que tu gagnes des variantes d'armes. Donc c'est quand même utile de les faire, les prestiges. Oh, ouais. C'est les prestiges ou les. La saison 3, je sais plus. J'ai eu des. Normalement, tu gagnais des trucs. Ouais. Logiquement, tu gagnes des. Oula, les textures qui pop encore, j'adore. Ah oui, j'ai toujours le Tomahawk. GG ça. Ouh, ce qui m'a mis lui, bâtard. Ah oui, à travers la truc, bah oui, tout va bien. Ça va, t'étais bien accroupi avec ton Tundra là? Ouais, ça va. Putain, sérieux. Bon, logiquement, ils vont passer devant moi là. Hein. Quoi, pas encore l'autre fils de pute là? Regarde ça quoi. Non mais sérieux, ça respawnait à moi quoi. Regarde l'autre là. Ah, regarde ce bon jeu de merde là. Et à moi ce spawn là, franchement. Va te faire foutre. Oh, y'en a un là non? Attention devant toi. Non? Oh, le hitmarker. Fucking hitmarker de merde. Je vois pas encore l'autre salope là? Non? Ah, boss Ricket. Vas-y mec, avance, arrête de jouer ta vie. Ouais, du coup la cadence de tir, voilà, c'est quand même un petit peu nerf, mais ça va. Franchement ça va, hein. Le nerf est pas très gros, hein. Merde. Ouais bon, si la visée n'est pas au rendez-vous, forcément ça va être un peu compliqué, hein. J'ai déjà plus de balles, quoi. Ouais, ça va arriver devant toi, mec. Prépare-toi. Plastico. Plastico, ça sert à prendre sous, là. Vas-y, c'est bon, il l'a défoncé. Tu vois, il a quand même moyen de faire quelque chose. Hein. Ah, dommage. Même l'endoscope, il passe bien avec le barrette. Hein. J'ai un peu de mal aujourd'hui. Hein. On va pas se le cacher. Hein. Un peu de mal, quand même. On va s'échauffer un peu, quand même. Ah, la gauche, les gars, la gauche. Bon, attends, je vais quand même essayer de jouer un peu l'objectif. Hein. Pas trop pénaliser l'équipe. Ouf. Non, franchement, la cadence de tir, voilà, elle est bien. Hein. S'il couvre l'entrée, je peux couvrir ici. Ça trotte mal, moi. Bon, j'aime pas le poids stratégique, assez trop de la camp. Ouh, Lost Ricket. Tu dois te calmer, oui. C'est arrivé derrière nous, là, non? C'est bon, tu l'as eu? Ouais. Ah, il y en a un autre. Putain, il tue tout le monde, l'autre, là. Aïe, 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 allez, les gars, rushez-le. C'est moi qui dois rusher avec mon barrette là, sérieux là. Incroyable ça quand même. Arrêtez de jouer votre vie s'il vous plaît l'équipe. S'il vous plaît.
C'est au-dessus ou c'est en dessous? Je connais pas bien les. Donc, 3 fois que je fais la map, je sais pas trop sur les points stratégiques là. Ok là, il va être spawn devant moi, tout va bien. C'est pas le même? Attends, il vient pas te respawn 2 fois là? Merde, encore derrière moi. Chier. Et là on respawn là où je suis mort. Hein. Ah les spawns putain, hein, qu'est-ce qu'on a pris ici franchement hein, ce jeu. Mais tu vois le barrette il passe vraiment bien quand même, hein, je trouve. Hein. Ah, je me casse. Pas le temps de viser. Dommage. Mais là tu vois, ça passe crème hein, franchement. Moi ouais, ça passe crème. Même s'ils ont nerf la carte de tir, c'est bien, hein. Ça reste bien. Hein. Ah, tu veux pas de manger à... Ah si, là, il l'a vu. Il veut pas finir. Hein. Il est là, en train de camper. Hein. Ouais. Hein. Ah, dommage. Putain. Dommage. Mais le barret était plus fun, hein. Je sais pas. Hein. Même avant qu'il le nerf, il était plus fun que le ZRG. Hein. Franchement, ce qui chope le plus avec le ZRG, c'est vraiment la carte de tir. J'assiste vraiment là-dessus parce que c'est immonde. C'est immonde d'avoir une carte de tir aussi pourrie, quoi. Pour une arme aussi lente. Le Tundra a vraiment. Il y en a encore là, hein. Là ou quoi, hein. J'arrive pas à le voir. Essaye de passer par là. Micro de terrain déployé. Ah, je voulais faire un noscope, ça peut passer. L'allié l'a même pas vu. Hein. Bah ouais, bon, il avait le char devant lui. Balance le drone. Vas-y, allez, t'as un drone, va le chercher. Passe par la boutique. Voilà. Encore dans le bâtiment. Ah, ça a l'habitude que j'ai toujours à de vouloir spammer avec les trucs comme ça, c'est horrible quand même. Ah merde, il est un peu plus à droite, dommage. Mais il est plus plaisant maintenant, bah, déjà même avant, le barrette, je le trouvais déjà bien suffisant. Il y en a encore deux. Non, non, c'est... La palme, bah, attends, on va se cacher, 2 petites secondes. Ouais, alors très fais gaffe. Ah oh non, je l'ai loupé, je crois pas. Ah mais attends, il a le feu là du coup. Toujours là en train de camper. Ah non, il est mort, ok. Bah du coup, il va spawn ici. Hein. Coucou les copains. Non. Regarde là, il spawn où là? Sérieux? Regarde, il a personne ici, d'où il spawn pas ici, tu vois? Je comprends pas moi ça. Ils sont tout pétés les spawns quoi, ils spawnent devant les alliés là. Encore une fois là, c'est claqué au sol. Hein. Franchement, je vous dis que les spawns c'est de la merde mais... C'est horrible hein. Là, ils spawnent là. Ah, j'ai plus mon Thomas. Ah, il y en a qui est là. Oh 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 oh, tu l'as râlé toi. Merde, j'ai plus de balles. Shit. De toute façon, les noscopes, moi j'aime pas. De base, je pourrais tenter un peu plus les. Ah, vas-y, bâtard. Les noscopes, mais franchement. Tu vois, cette nouvelle arme là, t'as vu sa carte de tir, elle a zéro recul, elle défonce tout, tout va bien quoi. Ça on va pas la nerf à ça. Non, la nouvelle M16 là, complètement pété du cul. Ouh, t'as eu de la chance toi. Vas-y, je bloque l'entrée. Mais bon. Moins 2. Merde, derrière moi, merci les alliés, fais chier quoi. Tournez un peu la tête s'il vous plaît quoi. Ah, il est là non? Je crois qu'il y en a un qui est passé non? Non. Ah, il y en a dans le bâtiment. En haut je crois. Bon merde, vas-y on va chercher leur bête. Dommage. Il saute pas? Ah, je voulais cutter, j'hésitais, putain, j'aurais pas dû. Ah, je voulais...
Vas-y, vas-y, vas-y. Regarde, je spawn devant un ennemi, tout va bien. Allez, dégage. Et là, ça va respawn sur moi, tu paries combien? Non? Et merde, il s'est barré. T'as un petit drone ici. Ok, toi je t'ai vu. Non, sérieux, le mec à la fenêtre là. T'avais un allié derrière l'ennemi là, sérieux, qu'est-ce que tu fous? J'étais toujours là je crois en plus, hein. C'est le pire. Hein. Mon dieu. Même pas foutu de couvrir l'entrée qui campe le mec en plus, hein. C'est vraiment une petite salope. Hein. Plus un mentir dessus là. Ah, il est encore là, hein. Ah, il est là. Ah, il y en a là du coup. Vas-y, barre-toi, barre-toi. Putain, regarde les dégâts que ça me fait avec leur automatique de merde. Hein. Putain, c'est vraiment une blague. Encore la KU, hein. Pfff, horrible. Bon. Un peu de ma faute hein, si on a perdu. Je suis désolé. Bref, non. En fait, on était 4 à s'en battre les couilles complètement d'aller là et capturer. Ah, là, c'est ce que je dis que c'est la 3 quarts. Ah, les 3 quarts des cinématiques. Hein. Putain, sérieux. Quoi. C'est tellement vrai, mon gars. Ah non, on va pas la patcher, ah bah non. Soit que non. Soit flaguer ces développeurs, bah ces programmeurs ou je sais pas trop quoi là, cette équipe de mort là. Ou le connard qui leur dit de faire ça et ça. T'es. Franchement quoi. C'est honteux. Hein. Mais bon, le Barrett il est bien, je dis pas. Le Barrett, voilà. Mais les ADRG, laisse tomber quoi. Pff, mais pas amusant quoi. Franchement, il est pas amusant. Je sais pas si je ferai peut-être une petite vidéo quand même où je joue vite fait avec le Tundra et le Pennington pour vous montrer un peu la différence. Niveau hitmarker, hein, bien évidemment. Mais c'est vrai que le Tundra est un peu plus équilibré, je trouve, maintenant. Mais le ZRG, il faut qu'il fasse un truc. Et le 431, bah, j'ai pas vu une grosse différence. Hier, j'ai testé une game ou deux, ouais. Et j'ai pas vu une grosse différence par rapport à avant, hein, donc... Voilà, rien à dire là-dessus, quoi. Mais j'aime bien quand même qu'ils rendent la lunette un peu plus petite, moi. Ça m'arrangerait, franchement. Ça m'arrangerait quand même beaucoup. Enfin, sur ce, je vous laisse. Demain, je crois qu'on en a terminé. Ou je referai quand même un... Je pense qu'on va s'arrêter là sur Code. En attendant la saison 4. Et en attendant, bah, on fera sur YouTube, donc Resident Evil, à partir, à mon avis, de lundi. Voilà, donc vous verrez la vidéo dimanche. Donc à partir de lundi, je pense, on va commencer Resident Evil, on va faire des lives d'environ 2 heures. Et voilà quoi. On prendra bien tout notre temps, on lira tout, on prendra bien tout notre temps pour looter chaque zone, essayer de trouver les secrets et tout, au fur et à mesure comme j'avais fait sur Resident Evil 7 hein, et les autres. Voilà. Allez, sur ce, une bonne soirée les gars, et à la prochaine. Plus.